Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième manche avec Alfa Romeo. J'espère que vous allez apprécier cet épisode, nouveau format, nouvelle formule. Je me filme, fond vert, caméra, voilà. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Voilà, j'investis un peu, j'essaie d'améliorer mon setup pour vous, pour une chaîne agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, liker, commenter, partager, voilà, vos impressions, tout ça. Donc, revenons à l'essentiel. Donc l'important, hein, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est sur F1 Manager 2023. Voilà, on est à Azerbaïdjan, quatrième manche. Et donc, je vais vous faire un petit point sur tout. Voilà, Red Bull qui sont devant, Ferrari deuxième, Aston Martin troisième, comme vous pouvez le voir. Nous, on est très loin, on n'a pas marqué de points. Donc voilà, le dernier Grand Prix, je ne me rappelle plus comment ça s'est passé. Donc Melbourne, Verstappen, Perez, Ferrari, Sainz, troisième, voilà, tout simplement. Non, c'était plutôt Verstappen, Perez, Leclerc et Sainz, désolé. C'était les essais. Donc voilà. Et ben voilà, les F2, c'était pour cher, Denis Hauger et Richard Auchour. Donc voilà, on va essayer d'avancer un peu. On va faire ce nouveau Grand Prix. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, voilà, il va y avoir dans 25 jours des fabrications d'ailerons, puisqu'on a fait des mises à jour, des avancées. Je pense que je vais faire des épisodes différents. Donc je vais faire un épisode sur la thématique des setups d'entre-course, voilà, et la course, voilà. Donc là on est l'entre-course, vous voyez mes voitures. Alors Bottas qui reste 3 ans de contrat, Guanyu qui reste 8 mois avec 80, lui qui est le pilote réserve, le Miguel Baltazar, je le connais pas trop, mais bon, ils sont plus ou moins ok en ce moment. Donc là je vais peut-être faire des changements bientôt, hein. Zou, je sais pas si je vais garder, bon il est jeune, donc non, c'est Bottas que je vais peut-être pas garder, mais le problème c'est que Zou est pas aussi bon qu'il faut, donc c'est compliqué. Directeur technique, il faudra que je le change, le responsable aéro aussi, tous ces directeurs là je vais changer, directeur sportif et à un moral faible, c'est un petit problème, mais bon, on va essayer de régler ça. Vous voyez, hein, évidemment il n'y a pas eu de gros trucs. Donc aujourd'hui, il va y avoir une fabrication qui va être faite. Alors, je vais regarder sur mes pièces. Vous voyez les châssis que j'ai, les pièces, bloc moteur. Pour l'instant, ça va, ça tient le coup. Mettre en avant les attributs importants. D'accord. Donc je vais analyser la voiture. Alors avec les... Nous, vous voyez, hein, la voiture, valeur, attributs. Moyenne sur la grille, c'est 320, donc on est loin de la moyenne. Même en accélération, on est loin de la moyenne. Enfin, on est au-dessus de la moyenne, pas de beaucoup, et puis le reste, on est loin de la moyenne. Ouais. Si je change la voiture, si je prends la voiture 2, c'est presque pareil. Donc je suis vraiment pas bon dans la moyenne. C'est bien pour ça que je suis position sur la grille, vous voyez. Position sur la grille, c'est vraiment le fond de grille de chez fond de grille. 19, et je dois me concentrer là-dessus. Hein, vitesse max, DRS, ça c'est les trucs que je dois me concentrer. L'accélération, j'en ai pas besoin de me concentrer. Vitesse faible, je vais me concentrer pour les virages et grande vitesse aussi. Donc voilà, il va falloir que je me concentre sur beaucoup de choses en même temps. J'ai des pièces qui sont bientôt en train de se finir. Donc j'ai un fond plat qui va se terminer. J'ai un aileron avant qui va se terminer dans 33 jours. Donc ce sera le Grand Prix d'après. La fabrication, donc les ailerons, les châssis. Niveau 2 qui vont se fabriquer dans 10 jours et 2. Donc c'est un... ça c'est un premier aileron, ça c'est un deuxième châssis. Donc voilà, j'ai fait un châssis. Alors, je vais avancer un peu le temps, on va voir ce que ça donne. Donc la fabrication terminée. Ah, je crains que nous avons rencontré une erreur durant le fond. Oh bien, qui va nous signer. Oh, c'est dommage. Donc va passer un... Il va passer inaperçu alors que... Aïe, ça fait passer presque un mois là, pas 10 jours, de 11 jours. Donc c'est dommage. Je suis obligé d'approuver le délai, ça c'est un peu dommage. Ça va me contrarier un peu, parce que c'était le 10, c'était pas mal, c'était pas loin. Mais là, ouais, j'ai rien qui arrive tout de suite. Là développement des pièces, ouais, j'ai rien qui vient tout de suite. Ah si, j'ai quand même le fond plat qui vient tout de suite, mais pas tout de suite. Bon,
Le personnage, je sais pas si j'ai que 4000 pour l'instant, je peux pas faire grand chose. J'ai fait des repérages. Faut que je fasse des repérages. Bon, pour l'instant, j'ai que 2 repérages, donc pour l'instant, je vais pas aller plus loin. En termes de bâtiments, on a l'usine, tout ça, mais ça coûte cher développer tout ça. Hein. Vous voyez, j'ai pas assez pour pouvoir développer tout ça. Il va falloir que je mette mon temps en patience et que je développe petit à petit dès que je le peux, dès que j'ai assez de fonds. Il me faudra peut-être quelques saisons avant d'augmenter. Donc là, trait de l'équipe 15, gain ou confiance de course, ça je peux me le faire. Ça peut être pas mal. Zone d'accueil, ça fera quoi? Bonus, attractivité. Donc ça fait attractivité de l'équipe 15 plus attractivité 10%. Voilà, mais j'ai pas envie de dépenser autant. La météo, ça c'est important. J'ai 2000, donc je vais faire la météo. Et puis voilà, on verra. Après, commémoration, c'est pour la mémoire, pour le moral. On va peut-être augmenter le moral pour eux, ça sera peut-être mieux. Comme on n'aura pas beaucoup de pilotes. Donc là, la fabrication de l'aileron est faite. Allez, à la fabrication des pièces. Donc là, j'en ai 4. J'en ai 4, comme ça, je suis tranquille. L'aileron avant, j'en ai pas amélioré pour l'instant. Là, j'en ai fait. Ah, j'ai pas mis sur la deuxième voiture là. Voilà, comme ça toutes les positions sur la grille est toujours la même. Mais bon. Les flancs, j'ai les deuxièmes flancs, donc ça c'est bon. Fond plat, je ne l'ai pas encore développé. Et suspension, il faut que je mette une suspension là. Non. J'ai pas une suspension qu'en fabrication? Là je croyais. Bah 8 jours, bah, je vais mettre à 8 jours. C'est pas grave. Hop, voilà. Le RS, bon, mes moteurs pour l'instant ça va. Voiture, les deux voitures ça va, elles ont pas eu trop de problèmes. Le RS c'est pareil, et boîte de vitesse, bon bah, boîte de vitesse sont un peu fatiguées, mais ça va encore. Donc voilà, on va essayer d'avancer un peu le temps. Il y a un truc intéressant, alors retarder, ça c'est déjà vu. L'aileron avant, donc oui, ça j'ai vu aussi. On va avancer. Ah, vote de la réglementation. La réglementation change. Alors, technique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Changer accès sur le débit d'air ou refroidissement? Moi, en refroidissement, je suis déjà pas bon. Je vais me mettre sur débit d'air. Hein. Déjà, je suis pas très bon en débit d'air, donc les autres, sera pareil. Débit d'air, flanc, refroidissement. Refroidissement moteur moins 10, moins 30. Ah, c'est compliqué à compliquer. Je vais mettre ça. Je vais faire descendre tout le monde. C'est pas grave. Voilà. J'ai mon mot à dire. Je l'ai déclenché. Voilà. On verra ce que ça donne. Donc là, la salle commémorative est améliorée. C'est parfait. Il me reste à jour. Fabrication des suspensions, c'est fait. Hop. Je pourrais mettre là. La deuxième suspension pour la voiture, c'est parfait. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 non plus les suspensions, même si bon, si elle pète, j'en aurai d'autres. Alors, avec votre clos, alors, ça c'est aujourd'hui une... D'accord, okay. Donc le résultat. Les résultats, c'est débit d'air. Donc j'ai voté pour, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'était juste. Mais oui, bon, et puis, le Ferrari il voulait pas. Mercedes il voulait pas. Bon, les bas de classement il voulait pas. Mais bon, moi aussi pareil, hein, je suis bas de classement, mais c'est pas. Hop, donc conception fond plat est arrivé. Alors, la prospection est faite pour Doohan et pour Lawson. Stock flanc, oui, normal, il faut que je fasse des pièces. Des flancs, flanc, flanc, flanc. Non, c'est pas celle-ci, parce que celle-ci est en fond plat. Excusez-moi. Deux fonds plats. La course, ça se finit dans 7 jours. Il faut que je les fasse en accéléré. Ah, mais j'ai pas assez. J'ai pas assez pour les faire en accéléré. Même en. Ah non. Non, j'ai pas assez pour les faire en accéléré ni en les faire en normal.
Ah, si je les fais en accéléré, j'en fais une. J'en fais une, bah tant pis, j'en ferai une. Hein. J'en ferai une pour une seule voiture, et puis voilà. Faut faire des concessions, c'est compliqué en ce moment-là. Et... La F1, donc ouais. Je vais faire de la prospection. Équipe d'ingénieurs, prospection. Alors. Pas ingénieur de course, un aérodynamique, même si bon. Ah bah le bol est 92, 95, c'est énorme. Je vais essayer de voir pour lui. Hop. Toujours faire une prospection détaillée, hein, pas une prospection. Une prospection douce. Directeur technique, à Wesh, c'est sûr que c'est mort. On va essayer de piquer les gars de chez Mercedes, même si je suis sûr que je les aurai pas. Bon, on avance un peu. Allez, châssis, c'est terminé. C'est un châssis que j'avais déjà, oui, c'est un châssis que j'avais déjà, donc c'est bon. Donc c'est un châssis en plus. Ça c'est quoi? Amélioration de salle du conseil, parfait. J'ai 600 000. Je peux faire une pièce en plus pour le. C'est pour le. Pas pour le flanc. C'est pour la. Mince. Alors, c'est pour le châssis, mais je peux faire une recherche aussi. Ah, mais si je fais une recherche pour l'année prochaine, déjà, il faut déjà. Ah, mais j'avais pas vu que j'ai plus rien. Donc là, j'avais plus rien nulle part. Et la dernière, bon, je dois attendre 6 jours, c'est pas grave. Je vais attendre 6 jours pour la prochaine période. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je sais plus. Donc les voitures, tout ça, c'est prospection, c'est bon. Les voitures, détail des pièces alors, fabrication. Ah oui, je devais fabriquer une pièce. Mais je sais plus laquelle. Deux, il y en a trois. Deux, il y en a quatre. Moi, je sais même plus. Alors, là, il y en a deux. 32%. Je peux en faire une, mais c'est pas celle-ci qu'il s'agit. Flanc, c'est pas celle-ci. Non, aileron arrière non plus. Aileron avant, j'en ai jamais fait. Donc ça doit être le châssis. Mais pourquoi le châssis 2, j'en ai 4? C'est pas. Aileron arrière, j'en ai 3. Flanc, j'en ai 3. Sur les deux voitures. Ok. Suspension, c'est sur les deux voitures aussi. Bah. Ok, bon, bah j'ai tout alors. C'est bon. Je pensais qu'il me manquait sur les deux voitures, mais en fait j'ai pas besoin puisque c'était déjà en construction. D'accord, ok. Bon, bah c'est parfait. Fabrication, recherche et conception dans 11 jours. Je peux pas en faire plus non plus. Si je fais une recherche, ça me servira un peu à rien. On verra plus tard. On va attendre. Donc là, le flanc, il est fabriqué. On va voir qu'est-ce qui se passe. Le week-end de course arrive bientôt. Voilà, on a le plaisir de fabriquer, ouais, le stock, oui, je sais. La configuration de la voiture. Ah oui, je pouvais en faire qu'un. Parce que l'autre, je pouvais pas la faire, hein, c'est ça. L'autre, je vais attendre 8 jours, c'est pas grave, je pas très. Ça sera pas longtemps, mais c'est pas. Ce sera pas tout de suite, je peux pas le faire en urgence, ça me sert à rien de me dépenser en urgence. Et ben, dans 2 jours, c'est week-end de course, et ben, on va bientôt passer à l'étape importante. Donc voilà, on va passer à l'étape importante, la course. Donc, alors, le châssis, pourquoi il. Alors, ça me perturbe toujours, hein, parce que j'ai toujours. On me dit 5, mais. Fabriqué par exemple. Oui, si je fais pas l'erreur, je. Mets directement le 2. Moi, je sais pas forcément lequel c'est. Donc, avec la nouvelle pièce, Bottas, il vient combien lui? Ça fait toujours 20e en vitesse max. En accélération 10e. C'est 15e en DRS. Si j'en regarde par rapport à mon coéquipier. Voilà. Alfa Romeo. On change, deuxième voiture. Voilà. La deuxième voiture va plus vite en accélération. Mais j'ai gagné quelques positions. Deux positions.
En termes de vitesse moyenne, grande et tolérance des RTR. Et poids excès moins. Donc ouais. Il a pas gagné en compute, même en vitesse max, il a pas gagné. Hein. C'est même Zou qui est meilleur en vitesse max. Et en accélération. C'est un peu dommage, mon DRS, on gagne une place, mais voilà. C'est pas terrible. Bon. Eh ben, on va bientôt se concentrer sur la course. Je fais des objectifs. Bon, bah, Q3, c'est mort. On va modifier. On va atteindre les Q2 si on y arrive, mais je suis pas sûr. Et puis après, bah, position d'arrivée, je vais pas chercher les positions. Détail, une position 2, position d'arrivée 15. Ok. Ok. Garantie. Bon voilà, et ben on commence bientôt le week-end de course. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, à plus, tchuss!